da bi mogli napraviti. Pa ajde, pre svega ovo drugo pitanje, šta je falilo? Premièrement, bon, il répond sur la deuxième question. Pour lui, ce qui a manqué, c'est d'abord on a trop respecté l'adversaire. Više nego što je trebalo u napadu. Et ensuite un peu plus d'agressivité défensivement et bien sûr Andy Delors sur le plan offensif. Et il pense que bien sûr son absence, ça aurait changé beaucoup de choses. Si... De toute façon, la défaite n'a pas trop affecté le groupe. Parce qu'ils étaient sur une bonne série, sur une bonne dynamique. Et ils sont, bon, il m'a dit qu'ils sont conscients que c'est le Paris, que c'est la meilleure équipe en France. Et que maintenant, bon, ils sont prêts pour repartir, pour enchaîner une nouvelle série. Bah, yes, c'est baš tako, et mislim da smo svi toga. De toute façon, tout le monde est conscient de l'importance de ce match. Et ce qui est aussi important, c'est d'enchaîner avec une bonne performance à l'extérieur comme on a eu jusqu'à présent. Da nastavimo tamo gde smo stali pre Pariz. Na gostovanjima koje do sad. Il pense qu'il ne faut pas trop faire la différence entre les matchs à l'extérieur et les matchs à la maison. Ce qui est très important dans ce groupe, c'est qu'on y pense de suite. On est focus sur le match qui arrive. Pas forcément, on ne se projette pas loin. Donc tous les matchs qui arrivent sont très importants. Et donc ça, c'est aussi une force de groupe de se préparer pour tous les matchs qui arrivent. Pa mislim da je malo drugačiji pristup u smislu. Lui, il pense que c'est surtout sur un plan mental, psychologique, que l'équipe a pris la conscience et conscience de ce qu'il peut faire à l'extérieur et ce qui a rendu un peu l'équipe plus performante. Za partije koje pružamo na strani. Našem promestu, da. U što se tiče ekipe, da li je to najbitnije za ovakve rezultate? Aktualno, c'est quelque chose qui est très important, mais peut-être c'est pas capital. C'est très important, tout à fait, ce que vous avez. C'est très important dans cette parcours jusqu'à présent. Il pense que l'équipe a montré plusieurs fois à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire des grandes choses, de belles performances, et que justement sur ce plan psychologique, c'est qui a manqué parfois sur certains matchs, et que là ils sont en train de progresser à ce niveau-là. Oui. Bien sûr, le classement il est important, mais bon, il faut surtout se focaliser sur nous, sur notre performance à l'extérieur, qui peut nous amener à faire des bons matchs et derrière, bien sûr, des résultats. Od utakmice i pobede. I da li misliš da si negde više starter nego što si bio ranije? C'est évident qu'il y a des choses qui ont changé. Son statut, il a changé depuis quelques temps. Depuis le début de saison, dès qu'il a commencé le championnat, donc il a, on va dire, entre guillemets, il a eu place de titulaire. Et après, bien sûr, l'enchaînement des bons événements avec la sélection nationale, ce qui lui a donné encore plus de confiance. Šta ti je bio problem da bi se preadaptirao na ovaj futbol? Si on prend en compte qu'avant d'arriver ici, il n'a pas beaucoup joué, donc en arrivant ici, il a fait une préparation complète. Et son temps, on va dire, d'adaptation, c'est normal qu'il a pris un peu plus de temps, vu sa situation. Il pense que bon, même en signant ici, donc il a eu une discussion avec les dirigeants et avec le staff, donc sachant que son état de forme ne lui permettra pas de s'imposer rapidement. Donc il n'a pas eu beaucoup de pression de la part de staff et de dirigeants au début, et en sachant que bien sûr il aura entre 6 mois et 1 an, on va dire, le temps de s'adapter au niveau et d'augmenter sa capacité physique, bien sûr. Et,
Donc derrière, après un an, je pense qu'il a commencé déjà à faire quelques performances intéressantes. Mais derrière, il a eu Covid qui l'a empêché un peu d'enchaîner dans cette bonne période. Što se tiče tvojeg nekog napretka i u karijeri. De ce point de vue, oui, il pense que c'est aujourd'hui, oui, bien sûr, avec du recul, il pense que c'est un peu plus tôt qu'il est parti, mais de l'autre côté, il m'a dit qu'il n'a pas eu beaucoup de choix à ce moment-là, vu la situation au club, difficile, on va dire, financièrement. Il avait une proposition de transfert en Russie, donc il a accepté la proposition. Même si on va dire qu'au début, il n'était pas forcément prêt. Šta u tvojim očima i u tebi predstavlja Crvena zvezda? Vous allez voir de suite, j'ai pas besoin de traduire. Oui, d'abord, en tant que de tout petit, il était supporter, bien sûr, des Temps Rouges et un grand fan de cette équipe. Et donc, derrière, quand il a signé pour ce club, donc il a réalisé ses rêves. Et encore plus, donc, quand il a commencé à jouer pour l'équipe première, et il était aussi le capitaine de cette équipe. Donc ça lui, c'est difficile. Bon, c'est vraiment, il est très fier de ce qu'il a accompli. Même il m'a dit aujourd'hui, même je suis pas très, il m'a dit pas très conscient ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment énorme. Bio deo tog kluba. Izrođen si u Bosni, a igraš za Srbiju. Odakle, da li je to bio jedan logičan izbor ili odakle taj izbor za Srbiju? Pa... Donc, pour expliquer un peu, il faut rentrer un peu dans l'explication politique, la guerre qu'il y a eu là-bas. Donc, ce coin de la Bosnie, il y a vraiment quasiment que des Serbes. Donc, lui, en étant serbe, donc il m'a dit légitimement, moi, ma première réflexion, ma première pensée, c'est la sélection de Serbie. En sachant qu'il a joué pour toutes les sélections, en partie du 16, il a joué pour toutes les sélections de la Serbie. Non, non, mais c'est une sélection, ça se fait. Il a un club, il a une sélection. Bien sûr, il a des ambitions. D'abord, il a des ambitions pour aller plus haut dans sa carrière, donc bien sûr d'avoir des meilleurs clubs possibles dans sa carrière de footballeur. Ce qui concerne la sélection nationale, donc cette génération qui maintenant et va revenir en majorité en sélection, c'est sa génération à lui, c'est la génération qui a gagné le championnat du monde en 2015. Et donc normalement, normalement, il espère avoir une place dans la sélection. Spolnog, razumiješ, šta po tebi, gdje se ti vidiš? Pa nezgodno je... Donc lui, il est formé comme milieu offensif. Et donc pour lui, il se sent bien dans cette position-là. Mais vu que jusqu'à... Là, si on regarde ses performances qu'il m'a dit, j'étais très performant sur la position de latéral gauche. Latéral gauche. Après, il peut bien sûr répondre aux questions, aux exigences de ailier gauche aussi. Et que dans son cas, il m'a dit que c'est très intéressant d'être polyvalent et d'avoir cette capacité de répondre à plusieurs postes, comme Joshua, oui. Et il voit ça plus comme un avantage dans son éventail.